They pan the preacher, I bang this note the fuck of London to Jamaica. Hey yo les gens, c'est Floating71. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère bien. En tout cas on se trouve aujourd'hui pour un tuto en exclusivité mondiale les gars sur YouTube. Et même partout parce que j'en ai jamais vu. Et franchement j'étais vraiment très content de trouver cette petite astuce. Car franchement ça m'a sauvé la vie. J'ai pu garder mon custom firmware. Alors en fait ça va être un tuto pour vous expliquer comment installer et faire tourner des fichiers Hesperix. Donc alors qu'est-ce que c'est avant des fichiers Hesperix? Donc par exemple c'est des modes menu. Par exemple pour GTA 5, Black Ops 2 ou même Modern Warfare 3. Donc de base c'était uniquement compatible avec les PS3 en DeX. Mais petit à petit ça a été compatible avec les PS3 Sex. Mais uniquement avec les custom firmware Sex Cobra. Donc par exemple comme les Rebug 465 ou 470 ou les Habib Cobra. Mais malheureusement ce n'était pas compatible avec les custom firmware Sex original comme les Rogero. Donc moi personnellement j'étais toujours été en Rogero, 455 Rogero, pour ceux qui voudraient me demander. Et je voulais savoir comment on pouvait le faire pour faire marcher. J'ai regardé plein de tutos sur internet mais j'ai jamais rien trouvé. Et là il y a quelqu'un, un anglais qui m'a franchement aidé. Et franchement je remercie, en plus c'est lui qui a développé cette petite application. Et franchement grâce à toi j'ai pu faire tourner des Hesperix sans avoir besoin de changer de custom firmware et aller en Cobra ou convertir en DeX. Donc franchement c'est tout simple. Donc moi personnellement je suis en 1555 Rogero. Donc j'ai pas Cobra, rien du tout. Donc ce qu'il faudra faire c'est prendre un Hesperix d'un jeu que vous voulez. Par exemple moi je vais prendre l'exemple de Black Ops 2. Donc je vais mettre un GSC Hesperix Injector. Donc ça marche également sur GTA 5 ou Modern 3. Donc après moi je vais vous montrer. Moi j'aurai pas besoin de re-signer les boots comme on doit faire avec un Sex Cobra par exemple pour Modern Warfare 3, parce que sur Black Ops 2 on en a pas besoin. Donc ce que je vais faire c'est vous montrer ce qu'il faut faire. Donc vous devrez avoir plusieurs fichiers au préalable. Donc votre Hesperix et les boots nécessaires pour faire marcher ces Hesperix. Donc vous les mettrez dans le dossier indiqué quand vous aurez téléchargé le menu, hein. Après faites comme d'habitude. Mais la chose qu'il vous faudra impérativement pour faire marcher un Hesperix sur un Sex, sur une console Sex sans Cobra, c'est ce petit PKG qui m'a sauvé la vie, du nom de Mamba PRX Loader plus Autoloader version 2.1.2, développé par NZFV. Alors qu'est-ce que c'est que Mamba? Je vais vous expliquer un peu brièvement. C'est, en gros c'est une version allégée de Cobra si vous voulez. En gros quand on l'active, ça nous permet par exemple de lire des jeux ISO avec Webman. Si on installe Webman, ça permet de loader des Hesperix, faire plein de petites choses comme ça, d'installer des trucs dans le VSH de la PS3, des plugins, enfin plein de choses comme ça qu'on peut faire avec Cobra. Donc franchement c'est vraiment exceptionnel. Donc franchement c'est tout simple, donc vous aurez juste à télécharger, l'installer à partir de votre clé USB, donc comme un fichier normal de PKG, voilà, mamba.prxloader.pkg, vous l'aurez comme ça, vous l'installerez et après vous le lancerez. Donc à chaque fois que vous voudrez utiliser un Hesperix, vous lancerez uniquement l'application. Donc vous appuierez sur X sur l'application, vous la lancerez, voilà, vous lancez l'application. Et là normalement si ça marche bien ça va juste faire un petit bip. Donc il n'y a pas, c'est juste un écran noir, ça va faire, il y aura juste un petit bip sur votre PS3. Et ça va retourner dans l'XMB. Et là ça va activer les fonctions fonctions Cobra allégé si vous voulez, voilà. Et même dans PCN Patch par exemple ça sera marqué que vous avez activé Cobra. Enfin style c'est marqué Cobra 455 alors que normalement non, vous voyez. Donc ça veut dire que ça a activé les machins comme ça, les Hesperix. Donc maintenant on peut même aussi utiliser des disques durs en NTFC, enfin avec plein de choses comme ça, comme si on avait Cobra. Donc là je vais prendre l'exemple de Black Ops 2. Donc ce que je vais faire c'est lancer Black Ops 2. On se retrouve dès qu'il est lancé. Parce que moi avec mon Evermedia, quand je lance un jeu ça fait bugger l'enregistrement. Donc on se retrouve dès que j'ai lancé Black Ops 2. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là je viens de lancer Black Ops 2, donc vous pouvez voir Call of Duty Black Ops 2, le chargement. Donc j'ai lancé direct, ça lance directement en multijoueur, hein, au moins je pourrais vous montrer que ça marche très bien. Donc voilà, je vais me connecter en ligne. Voilà. Connexion, donc là je vais me connecter tranquillement. Donc, what the fuck. Ouais, je pense qu'il y a une erreur bizarre, je sais pas pourquoi. Bizarre, voilà. Une erreur qui m'a jamais arrivée pour le moment. Bon, là, je me suis connecté en ligne. Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, les gars, je pourrais pas vous dire. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Pourtant, je suis pas du tout banni. Ça va bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'était une petite erreur comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais en ligne. Donc voilà, je me connecte au service en ligne de Black Ops 2. Donc voilà, il faut attendre un tout petit peu comme d'habitude. Voilà.
Donc maintenant, on va dans partie personnalisée. Voilà, je vais dans partie personnalisée. Voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre Nocturne, n'importe quoi. Hein. On va mettre, oui, Nocturne, hein, si vous voulez. Hop. Et là, je vais vous montrer que le GSP Hesperix Injector marche. Donc pour l'activer, ce GSP, c'est un Hesperix Injector, il faut appuyer d'habitude sur L2 plus triangle. Donc voilà, L2 plus triangle. Voilà, Hesperix BO2 GSP Injector. Donc par exemple, on va tester, je sais pas moi, quel mode menu, juste pour vous montrer que ça marche. Par exemple, le UMT Patch. L'UMT Patch, voilà. Hop. Donc là, ça va loader à l'intérieur du jeu, par exemple, sans avoir besoin du GSC Studio de ISPSX. Et maintenant, on va lancer la partie. Donc franchement, c'est vraiment tout simple. Donc voilà, on a plus besoin d'une Sex Cobra ou d'avoir une Dex pour faire marcher des Hesperix. Et franchement, je suis super content, moi. Parce que franchement, j'avais vraiment la flemme, hein, vraiment la grosse flemme de changer de custom firmware. Car j'ai vraiment personnalisé à max, à fond, mon custom firmware. J'ai changé quand on démarre le jeu, la musique, la police d'écriture. Mais tout. J'ai tout changé ce qu'on pouvait sur la PS3. Donc... C'est vrai que j'aurais un peu la flemme de recommencer tout. Voilà, donc je vais vous montrer que bah voilà, j'ai le menu, voilà. Welcome, photo mode, etc. Voilà, donc par exemple, enfin je sais pas, je pourrais montrer quoi, dead mode, enfin voilà. Je t'en fous un peu, tu vois, c'est juste pour montrer que ça marche. Voilà. Alors modé de weapon, on peut mettre quoi. Regen, je sais pas. Voilà, hop. Voilà, on peut voir que ça marche très bien, voilà, il n'y a pas besoin de montrer plus de choses. Voilà, hop. On peut voir que en tout cas, ça marche, donc c'est bien. Voilà. Il y a plein de trucs, voilà, on peut faire spawner des trucs. Enfin, et moi, j'ai des exemples, hein, c'est plein de choses comme ça, assez bien. Assez marrant, on peut faire sur de la copie, on va dire. Oh putain, voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert et à vous abonner parce que franchement, c'est une grosse exclue. Moi, j'ai vu personne sur YouTube, j'étais vraiment en galère quand j'ai voulu faire ce truc. Donc franchement, je suis super content d'avoir réussi à faire cette chose. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Donc voilà. Piston 1, c'était Flotte 17-1.